Le calme est de retour ce matin dans les allées du camping après un été bien mouvementé. L'établissement a enregistré une hausse du taux d'occupation. Sur juillet-août, à peu près à 85% en global. C'est mieux que l'année dernière, hein, puisqu'on avait été un peu plus perturbé en début juillet ici avec le manque d'étrangers. Et là, ça s'est compensé par une clientèle française qui est venue en masse sur la région du Var. Les campings sont les grands gagnants de cette saison estivale, mais les hôtels sont eux aussi satisfaits. Cet établissement enregistre une augmentation de près de 20% du chiffre d'affaires sur juillet-août. La meilleure saison depuis des années, je crois que c'est la meilleure depuis l'ouverture de l'hôtel. Bonne surprise, beaucoup d'étrangers qu'on n'avait pas avant, peut-être à cause de la crise bien sûr, des voyages, mais beaucoup d'étrangers. Du côté des restaurateurs, la saison 2021 est une bonne surprise. On pensait que l'an dernier on avait fait une saison exceptionnelle. Et que cette année, avec le pass sanitaire, ça allait se compliquer. Ça n'a pas du tout été le cas. Un bilan très positif avec une arrière-saison qui s'annonce tout aussi belle.